Excel, les cases à cocher. Dans ces vidéos, nous allons voir comment automatiser nos fichiers Excel. Il s'agit ici, à partir d'une liste de tâches, de produire un graphique qui dynamiquement va se remplir au fur et à mesure où les différentes tâches seront réalisées. Pour faire cela, on va utiliser les cases à cocher. Je vais donc, dans un premier temps, essayer de redisposer mon tableau. Je vais le sélectionner, je vais le déplacer, je vais me le décaler d'une colonne, voilà, pour qu'il occupe un peu plus de place et qu'il soit mieux positionné. Je vais augmenter la taille de mes caractères pour que ce soit plus lisible. Voilà, je vais double-cliquer sur la colonne B, sur le séparateur de la colonne B, pour que mon tableau se complète et donc que la taille de la colonne en fait prenne la taille de la cellule la plus large. Je vais faire la même chose sur la colonne C. Vous voyez, donc je double-clique sur le trait séparateur de la colonne C et de la colonne D, ce qui me permettra d'ajuster la taille de la colonne. Je vais à présent en colonne A que j'ai créée en déplaçant mon tableau, mais si je ne l'ai pas fait, je pourrais faire un clic droit insertion. Et ce que je vais faire, c'est que je vais numéroter les tâches. Donc, numéro tâche. On va donc mettre 1 pour la première, on met 2 pour la deuxième, puis on va sélectionner les deux cellules et faire un double-clic, ce qui va me générer un numéro. Je vais ensuite reproduire la mise en forme et faire en sorte que tout soit mis en forme de manière identique. Je vais augmenter un petit peu les tailles de mes colonnes. Alors, par contre, j'ai oublié de sélectionner l'ensemble des lignes. Voilà, donc je me mets dans le bord gauche et j'agrandis un petit peu, voilà, les tailles de mes lignes, ce qui permet comme ça d'avoir des lignes plus espacées les unes des autres. Je vais à présent augmenter un petit peu la taille de la colonne A. Je vais faire un tableau. Ah, j'oubliais peut-être de rajouter une colonne qui s'appelle effectuer et qui indiquera si une tâche est effectuée ou non. Alors, je vais remettre un E entre les parenthèses. Ça, en fait, c'est pour éviter qu'il y ait le symbole euro qui apparaisse. Voilà. On va double-cliquer. Et c'est là que nous allons placer nos cases à cocher. Avant, on va quand même peut-être mettre en forme notre tableau. Donc, on va le faire mettre sous forme de tableau. On choisit un format d'affichage. Et puis, on va enlever les filtres. Donc, accueil, trier, filtrer, filtrer. Et nous allons centrer cela verticalement et horizontalement. Alors, ça, par contre, les tâches, je préfère les avoir alignées à gauche. Parfait. Ceci étant fait, on va maintenant placer nos cases à cocher et placer un titre. Alors, on va commencer par le titre. Insertion. On va prendre une forme qui est un rectangle aux angles arrondis. On va le faire sur toute la largeur de notre tableau. Et un clic droit, modifier le texte, va permettre d'insérer du texte à l'intérieur. Groupe Nestlé. Activité mensuel du chef de produit. Voilà, donc mon texte étant écrit, je vais à présent essayer d'augmenter un peu la taille parce que c'est tout petit. Donc je retourne dans le menu Accueil, je clique sur le A pour augmenter la taille de ce texte encore une fois et je centre verticalement et horizontalement. Nous allons à présent placer des cases à cocher. Donc, les cases à cocher, on les trouvera dans le menu Développeur, mais depuis la version 2024, on la trouve également dans Insertion. Donc, dans Insertion, nous avons des cases à cocher que nous allons pouvoir cliquer dessiner. Donc, autant l'utiliser. Avant, il fallait passer par le menu Développeur et nous avions les cases à cocher ici. Nous pouvons également faire sur un PC, nous avons un menu Insérer qui permet de sélectionner les cases à cocher. L'avantage de prendre les cases à cocher du menu Insertion,
qui sont disponibles depuis la version 2024, c'est qu'on va pouvoir faire un cliquer-glisser et reproduire immédiatement l'ensemble des cases à cocher. Pour ces cases à cocher, elles vont se trouver dans la cellule, donc bien positionnées au bon endroit. Sinon, il aurait fallu positionner toutes ces cellules les unes après les autres. Nous allons les activer. Alors, on va déjà les activer toutes. Voilà, et puis j'en désactiverai certaines après. Montrer simplement que mon tableau n'est pas réalisé à 100%. Enfin, mes tâches ne sont pas réalisées à 100%. Donc, je vais désactiver les cellules 1, 3, 5 et 14. Donc, la 1 n'est pas faite, la 3 n'est pas faite, la 5 n'est pas faite et la tâche 14 n'est pas faite non plus. À partir de là, nous allons, vous voyez, dans ces cellules, nous avons les valeurs vraies ou fausses. Avec le menu développeur, il fallait faire un clic droit sur la cellule et indiquer une cellule liée, donc la cellule qui était liée. Donc en général, on cachait cette cellule dans la colonne M, là où plus tard on mettra un graphique par-dessus pour qu'on masque les valeurs. Là, nous avons vraiment un faux pour les cellules qui ne sont pas cochées et un vrai pour les cellules qui sont cochées. À partir de là, nous allons pouvoir effectuer des petits calculs tout simples qui vont nous permettre de connaître combien de tâches nous avons. Donc vous vous rappelez, on va faire un égal nbval qui va nous permettre de compter le nombre de valeurs que nous avons ici. Fermez la parenthèse, valider. Et donc ça, c'est le nombre total de tâches. Je vais peut-être le descendre un petit peu pour pouvoir écrire au-dessus les titres qui me rappelleront ce que c'est. Donc ça, je le masquerai après. Donc là, j'ai mon nombre total de tâches. Juste à côté, j'ai besoin de connaître le nombre de tâches achevées. Nombre tâches achevées. Donc là, je vais faire égal nb.si, ouvrez la parenthèse, je vais compter dans cette cellule-là combien de fois il y a de valeurs indiquées vraies. Fermez la parenthèse, j'ai pas mis les guillemets, ce qui va me permettre de compter le nombre de cases à cocher qui sont cochées. Donc vrai ne doit pas être placé entre guillemets car ce n'est pas du texte, c'est une valeur booléenne. Les cases à cocher sont soit vraies, soit fausses. Donc j'ai le nombre de tâches achevées, et puis je vais mettre à côté le nombre de tâches en cours, c'est-à-dire celles qui ne sont pas cochées, et ça va être la même chose, égal nb.si, ouvrez la parenthèse, je sélectionne l'ensemble de ces tâches, et par rapport à l'ensemble de ces tâches, je vais compter celles qui sont fausses. Fermez la parenthèse, je valide. Et donc, 11 plus 4, ça fait bien 15 tâches. Maintenant que j'ai mes valeurs qui apparaissent ici, on va peut-être encore faire un petit calcul qui sera le pourcentage de réalisation, enfin de tâches qui sont déjà effectuées. Donc là, je vais simplement faire un égal ça divisé par ça mis au format pourcentage, accueil pourcent, ça me permettra de savoir que j'ai environ 73% de mon travail qui est fini. Maintenant que j'ai ces données-là, que j'ai effectué les calculs, je vais faire une petite mise en forme de ces infos. Donc on va faire insertion, et là on va aller dessiner des formes à nouveau, toujours comme ceci. Je vais en faire 3, peut-être un peu plus gros. Voilà. Et à l'intérieur, on va remettre encore une forme. Insertion, forme. Une forme un peu plus petite à l'intérieur. Peut-être très très clair. On va remplir la forme de façon très claire, ce qui me permettra comme ça à l'intérieur d'écrire
Total, je peux écrire directement dessus. Clic droit, modifier le texte. Total. Alors là, il est en blanc. Donc du coup, je vais peut-être réécrire en noir. Donc je sélectionne le texte, accueil. Et là, on va écrire en noir. On va le mettre un peu plus gros. On le centre. Et on le met en gras. Voilà, donc j'ai bien total. Et en dessous, on va remettre ce même carré. Par contre, lui, on va le mettre dans une petite forme qui aura la même couleur. Donc, on va faire à nouveau insertion forme. On perd un peu de temps hein, au début pour faire une forme qui soit assez sympathique. Mais après, on va faire du copier-coller, ce qui ira beaucoup plus vite. Donc là, par contre, ce que je veux, c'est aller chercher une valeur. Donc, je vais faire égal dans la barre de formule. Il faut absolument le mettre dans la barre de formule. Et là, ce que je veux, c'est faire apparaître le 15. Donc, je vais faire égal B26. Voilà. Et là, donc, il apparaît 15. Ce 15, on va le centrer. On va donc centrer horizontalement et verticalement. On va augmenter sa taille. On va peut-être le mettre en blanc cette fois-ci pour le faire ressortir. Voilà. Donc là, j'ai fait... Et là, j'avais mis une bordure, format de la forme. On va peut-être l'enlever, cette bordure. Elle ne sert pas à grand-chose. Donc, on va... On va la laisser, c'est pas grave. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sélectionner ce bloc en allant dans Accueil et je vais rechercher, sélectionner les cellules. Non, sélectionner, pas les cellules, sélectionner les objets. Et là, du coup, je vais prendre le tout, commande C, commande V. Et flèche vers le bas qui va me permettre de descendre l'ensemble des objets. Alors soit je vais faire flèche vers le bas, soit je le glisse avec la souris. L'idée étant bien sûr d'avoir gardé sélectionné l'ensemble des objets. Voilà. Et de les positionner correctement l'un en dessous de l'autre. Et je vais refaire commande V à nouveau et on va reproduire cette même opération. On les disposera mieux ensuite. On peut peut-être le descendre, lui, carrément en bas. Voilà. On alignera tout ça après. Alors là, par contre, on ne va pas mettre les mêmes informations. À la place de total, cette fois-ci, je veux achever. Et le nombre de tâches achevées, c'est 11. Donc là, on va cliquer sur le 15. Enfin, on va essayer de sélectionner la... Voilà. Et à la place de B26, on va aller sélectionner la bonne valeur. C'est-à-dire là où il y a 11. On valide. On va reproduire la mise en forme. Et on a bien 11. Enfin, pour le troisième, on va mettre le nombre de tâches en cours. Et on va refaire la même chose. En cours. Et là, on va sélectionner, enfin si on y arrive, il faut désélectionner, resélectionner. On va sélectionner la bonne cellule, là aussi. Donc, je vais dans la barre de formule, j'enlève B26 et je sélectionne en cours. On valide. On reproduit la même mise en forme en cliquant sur le pinceau et on a 4. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est prendre avec sélectionner les objets. Il est sélectionné. Donc, je vais sélectionner l'ensemble des objets. Voilà. Et là, on va faire un clic droit, grouper,
grouper, ce qui permet d'un ensemble d'objets d'en faire qu'un seul. Et on va répéter cette même opération en dessous. Clic droit. Grouper, grouper. Et on va encore refaire la même chose ici. Clic droit, grouper, grouper. Maintenant, nous avons trois objets que je vais sélectionner. Nous allons les aligner, format de la forme, à gauche. Ainsi, ils auront le même alignement sur la gauche. Et on va les répartir verticalement, ce qui permettra d'avoir le même espace entre chacun des objets. Ceci étant fait, mon tableau est quasiment terminé. Il me reste à produire le graphique qui va correspondre et qui va résumer ces données-là. Insertion, on va prendre un graphique en nano cette fois-ci. Sauf que je n'ai pas sélectionné les données, donc du coup, rien n'apparaît, bien sûr. On va faire un clic droit. On va enlever le sélectionner les données parce que sinon ça marche. Sélectionner les objets sinon ça ne marche plus. Voilà, donc là je prends mon objet, je le supprime. Et on va sélectionner ce que l'on veut représenter. Alors c'est ces valeurs-là, le 11, le 4 et le 15. Donc on va sélectionner surtout le 11 et le 4, puisque 11 plus 4 ça fait 15. On va faire un nano pour représenter la part de ce qui est achevé et de la part de ce qui est en cours. Insertion, graphique, et on va prendre un graphe en nano. Ce graphique en nano, on va le positionner au bon endroit. On va augmenter peut-être un peu sa taille. Voilà, et puis les anneaux, on va essayer de les modifier un petit peu. Donc on va faire format, et on va voir ce qu'on peut faire si je modifie un petit peu ça. Donc c'est pas celui-là, c'est l'épaisseur de l'anneau en fait. Voilà, ce qui permettra comme ça de densifier un petit peu l'anneau. Ce que j'aimerais, c'est peut-être le changer. Je vais le mettre à 90 degrés, peut-être. Bon, après, vous choisissez l'endroit où vous le positionnez. Et ce qu'on va faire maintenant, on va faire apparaître le pourcentage de réalisation au milieu. Donc, comme tout à l'heure, on va réinsérer une forme. Insérer un carré, cette fois-ci. Voilà. Sans couleur de fond, peut-être. Voilà. Et on va maintenant essayer d'écrire à l'intérieur le pourcentage de réalisation. Donc, pareil, il est sélectionné, on va mettre égal, et on va aller cliquer sur le pourcentage que l'on a calculé ici, 73%. On valide, on va augmenter la taille du caractère, donc on retourne dans accueil, on augmente le 73%, voilà, comme ceci, on le centre, et là nous avons fabriqué quelque chose de très dynamique, puisque nous avons la possibilité de désactiver les cases à cocher, et vous allez voir que votre tableau va au fur et à mesure se réactualiser. Voilà, notre graphique, au fur et à mesure où on décoche les tâches, eh bien, se supprime. Donc je vais peut-être le remettre à 0% l'angle parce que finalement il devait être en haut. On va revenir sur format.
mise en forme. Format de la série de données. Et là, on va le remettre à 0. On va voir où est-ce qu'il est positionné, parce qu'il n'y a qu'un seul bloc. Voilà, il est bien à 0. Et vous voyez qu'au fur et à mesure où on va effectuer les tâches, donc là, rien n'est fait, au fur et à mesure où on effectue les tâches, eh bien, notre graphique se construit et s'agrandit. Voilà donc un exemple d'utilisation de cases à cocher. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner. Alors, avant de terminer quand même cette vidéo, j'aimerais terminer, car j'ai oublié deux ou trois petites choses. Ben, ces petits calculs qui sont là, on va les masquer, on va les cacher. Pour cela, ben, il suffit de les écrire en blanc. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire et on ne voit plus rien. Et dernière petite chose, au fur et à mesure où on active ces cases à cocher, j'aimerais que les lignes se barrent toutes seules. Donc là, il s'agit d'une mise en forme conditionnelle. Donc je vais sélectionner mon tableau. Je vais indiquer que je veux faire une mise en forme conditionnelle avec une formule, donc une nouvelle règle. Une nouvelle règle de mise en forme. Par contre, il ne m'a pas fait ce que je voulais. Mise en forme conditionnelle. Classique, voilà. Avec utiliser une formule. Et là, on va déjà planifier notre mise en forme. Donc ce que je voudrais, c'est une mise en forme personnalisée. Je voudrais que la police, en fait, se mette tout simplement en barré. Voilà, donc on va barrer et on va peut-être changer un peu la couleur. Du coup, on va le mettre, lorsque c'est fait, donc c'était en orange, donc on va le mettre en orange. Après, ça sera à vous de voir. On fait OK, et puis on va appliquer la formule. Donc là, on va dire simplement que ça doit être cette cellule-là est égal à vrai. Donc, quand ça c'est vrai, ben ça va s'écrire en barré. Sauf que je veux pas que ce soit juste des 9. Il faut que ce soit pas $D, sinon on va rester sur $. On va rester sur la colonne D. Il faut juste que ce soit D. Quand on est là, ça sera C. Quand on est là, ça sera B. Quand on est là, ça sera A. Et on reste toujours sur la même ligne, sur la bonne ligne. Si je fais OK, j'ai, vous voyez, toutes les lignes qui sont barrées, toutes les tâches qui sont barrées. Donc c'est que je me suis trompé. On retourne dans Gérer les règles. Là, on fait modifier la règle. Modifier la règle. Dollar. 9, OK, OK. Voilà, et là, c'est correct. C'est-à-dire que à chaque fois que l'on active, là, je suis en 10, là, je suis en 14. Par contre, ça va faire les bonnes cases. Et vous voyez que dès que j'active une case à cocher, eh bien, elle se barre. Voilà, je vous remets la mise en forme conditionnelle à appliquer. Comme ça, vous pourrez la refaire, hein, si vous voulez la revoir sans problème. Donc, je vais modifier la règle. Et donc, on a mis $D. Et $D, 9, est égal à vrai. Ça veut dire que à chaque fois, la valeur de la case à cocher doit être vraie pour que ça se mette en forme de façon conditionnelle. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. À très bientôt !